Galax présent. L'aventure. The Last of Us. C'est ce qui s'appelle un gymnase complètement dévasté. Allez, bonjour tout le monde, c'est Galax, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, l'épisode numéro 6 du Let's Play sur The Last of Us. Moi j'ai la patate et on est reparti. Si vous vous souvenez bien, à l'épisode numéro 5, nous avions simplement battu un boss qui était le premier colosse du jeu que l'on a rencontré dans ce fameux gymnase, qui était, bon, assez simple, il fallait juste tout simplement rester à distance pour pas se faire choper. Comme ça, il ne nous mangeait pas, il avait la capacité exactement. Exactement comme les claqueurs, bah écoutez, de nous manger, de nous bouffer le cou, et forcément après on est infecté et le jeu nous donne dead. Voilà, voilà. Allez, monte. Donc on doit continuer par là. Let's go. L3. D'ailleurs. Ah non, pourquoi vous êtes monté? Vous me laissez tout seul. Ok, venez là, venez là, venez là, tous les deux. Bim. Pardon. Voilà. Il y en a de partout, non? Je crois. Ah, c'est bon, il en reste plus qu'un. Bonjour. C'est dégueulasse. Oh, ça pisse le sang, c'est énorme. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a que les claqueurs hein, qui nous donnent des munitions de fusil à pompe. Parce que si vous vous souvenez bien dans l'épisode d'avant, tous les claqueurs que l'on tuait nous donnaient des munitions de fusil à pompe. Et ça, je trouvais pas mal. Allez, aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Voilà, donc faisons un petit point les amis sur l'arsenal. Tout de même, nous avons ici le fusil à pompe, nous avons le fusil de chasse et enfin l'arc. Voilà, donc moi je vais rester au fusil à pompe, bien entendu. Et niveau pistolet, nous avons bien entendu le revolver et le 9mm. Voilà, tout simplement. Donc on est parti, on continue, tout va bien, on est quand même vraiment bien armé en ce moment. J'ai vraiment pas à me plaindre, hein. Franchement, depuis l'épisode d'avant, on s'est bien armé et le jeu commence vraiment à décoller, mais d'une façon mémorable. Alors, ok, on continue. Alors, je vais visiter les endroits derrière. Parce qu'en général, il y a toujours des petits objets. Toujours intéressants. Ok, ok. Donc, on y va, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour! Boum! D'accord. J'ai pas compris. Et les autres, ils sont où, là? Ellie et je ne sais plus qui. Ils sont où? Attendez, ils sont partis? Où ça, on n'est pas à l'abri? Ouais, bonjour. Oh, l'esquive. Oh, l'esquive. Allez, grimpe vite. Oulala. Oulala, vite, on court, on court, on court. Je ne sais pas s'ils peuvent monter par les échelles, eux. Allez, saute, vite. Bon, on s'en est bien sortis. Ok. Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée, on m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant que tu y es, dis à Tess que son putain de boulot... Ne mêle pas Tess à ça. Tout ça n'a rien à voir. Putain. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... Je suppose qu'il voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Hé, hey, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie. Quel enfoiré. Descends. Descends. C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais les accus fonctionnent. Du coup? Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie.
T'es sûr de ça? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Et moi j'en dis que c'est une bonne idée. Dieu. Encore des trucs à moi. À mon avis, son ami lui a volé pas mal de choses. D'accord, donc là nous sommes dans la maison. Alors attendez, avant de partir, bien entendu, on a une salle avec plein d'objets sympathiques qu'on peut récupérer pour améliorer les armes, pour améliorer tout. Donc on va pas les oublier. Regardez-moi ça, tout ça. Oh là là, c'est le jackpot. La chambre d'Ali Baba. La caverne d'Ali Baba. Note de Franck. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Alors Bill, je doute que tu trouves un jour cette note, car tu as toujours eu peur de venir dans ce coin de la ville. Mais si jamais c'était le cas, sache que je te déteste. J'en ai plein le cul de cette ville de merde et de ta petite vie bien rangée. Pour moi, la vie ce n'est pas ça, mais ça te dépasse. Et cette saleté de batterie dont tu te plains sans cesse, j'en ai marre. Tu as sans doute raison, tenter de quitter cette ville me tuera. Mais ce sera toujours mieux que de passer un jour de plus avec toi. Bonne chance, Franck. Alors, ça, à mon avis, c'est une lettre qu'il vaut mieux pas montrer à notre ami Bill, parce qu'il serait déçu quand même. Ça lui ferait... ça l'embêterait un petit peu, je pense. Ok, on a récupéré des points de compétences, c'est tout. Attendez, on va allumer la lampe torche. On verra mieux comme ça, ce sera mieux quand même, parce que quand on voit rien, c'est pas cool. Ok, attends. Voilà, maintenant, je suis prêt. Attendez, je vais vérifier là-bas quand même. Attends, avant de... vérifier qu'il n'y a rien là. Non, c'est bon. Ok, je pousse. C'est parti. Ok, c'est parti. Ouvre la porte du garage. Vas-y. Passe la première. C'est déjà fait. Garde le pied sur l'embrayage. Et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse. Comment tu sais ça? En fait, je m'en fous, mais fais pas de foirer. Ok, Ellie, prépare-toi. Accélère! À mort! Ouah, c'est super beau. Parfait. Hey, bien joué, petit. Bill, ça nous aide pas. Ellie, on va essayer encore une fois. Reste concentré. Ouais, reste concentré. Tourne toujours à droite. On va à la colline, au bout de la rue. C'est énorme. On pousse la voiture comme ça. C'est un pick-up. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Merde. Alors attendez, ils sont où les autres? Oh, headshot! Ah, ça, attention, attention à lui! Voilà, t'y es! Il y a toujours des infectés de partout! C'est énervant! On va avoir des plusieurs vagues comme ça, à mon avis. Faut qu'on aille plus vite! Bah oui, je veux bien, mais bon! Regardez-moi les effets de soleil! Mon dieu, mon dieu, mon dieu! Allez, pousse la voiture, pousse le pick-up! Attention, encore du monde! Ça arrive, ça arrive. Non, que je couvre, oh là là. Ouais, c'était chaud, là. Il a même sauté dessus. Attendez, je regarde s'il n'y a pas de munitions. Non, apparemment, non. Tant pis. Allez, on pousse. Allez. Allez, ok. Alors, attendez, je vois un fusil, là-bas. On y va vite. Hop. De Dieu. Dégage. Attention, il y a le claqueur là. Vite, je vais te claquer moi. Voilà. Ah, attendez, avant de faire ça, c'était quoi l'arme qu'il y avait là au juste? C'était quoi la différence? J'ai pas compris. Il y avait une différence d'arme ou quoi? Bref, tant pis. Allez, on continue. Ah, il y a une brique. On va la récupérer. Il y a des morts tout le long de la route en tout cas. Allez, vas-y, pousse. Pousse Joël. Allez Ellie, on compte sur toi. Vas-y Ellie, démarre. T'entends ça, Bill? Ah oui, j'entends. Oh, double. Oh, attention, c'est que des claqueurs ça.
Voilà. Wow, wow, wow. Allez, claqueur. Oh, je l'ai pas vu derrière à chaque fois. Ça arrive dans tous les sens, nom de Dieu. Attention, les claqueurs. Ah, on les entend de loin, eux, au moins. Il y en a que deux. Non, il y en a de partout. Attention, il y a des claqueurs de partout, on est encerclés. Nom de Dieu. Ah, plus de munitions. La vache. Cours vite. Je n'ai plus de munitions. Wow, claqueur. Non. Non. Ils arrivent de partout, ce n'est pas normal. Ils arrivent de partout. Et en plus, je n'ai plus de munitions. Ah, ouais, vaut mieux se casser, parce qu'à mon avis, c'est infini, les amis. Allez, vite, on se casse de là. Il me semblait que c'était infini aussi. Heureusement que la petite Ellie s'est passée une vitesse. Ok, c'est bon. Stop. Laisse-la tourner, ok. Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Oh oh. Tiens. C'est quoi? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. C'est sympa. Écoute, Bill, à propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche. Et je... On est quitte? On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. Tu devais pas dormir. Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde. La suite prochainement. J'ai horreur du suspense. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre? Ben... Tiens. Ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh, mais c'est une belle trouvaille. Wow. Bon, c'est mieux que rien. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Mm-hmm. Y a pas grand chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wow! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça! Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir? Je suis même pas fatiguée. Oh, non, non. Ah, super. On fait quoi? Fais chier. The valley starting to die.
Oh, aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé. Ça va, je vais bien. Alors descends, vite. Tiens-la, toi, merde! Et là, c'est le drame. Il y en a plusieurs carrés. Non, je ne vais pas mourir tout de suite. Tu vas voir. Tiens, coup de coude. Hop. Par contre, toi, tu le bouffes. Non, mais oh. Et dis donc, tu feras pas Mélie, toi. Non, mais oh. Oh là là, vous voulez jouer à ça? Ok, ok. Allez, quick shot! Alors attention, par contre, on se méfie où ils sont. Je recharge. C'est parti. Ils sont où, les cocos? Je sais pas où ils sont. Attends, il y a quelque chose dans le tiroir, là. Ok, donc on a fait un long voyage avec une superbe cinématique, j'ai adoré. C'est bon, t'es calmé. C'est bon, toi aussi. Voilà. Nom de Dieu, c'est chiant au bout d'un moment. Hein. Tout le temps des mecs dans les pattes. Alors, ah, apparemment ils sont pas encore morts. Il y en a là-bas encore. Ok. Bon bah écoutez, on va devoir faire attention. Attends, je vais récupérer ma batte de baseball, hein, tu permets. C'est plus puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va vérifier quand même. Une petite bouteille. D'accord. Waouh! Ils m'ont vu? J'ai pas vu. Ah d'accord. Dac. Il y a du monde de partout en fait. Ok. Bon, vous êtes où? Bonjour. Tu vas bien? Bah moi aussi ça va. Allez. Bon. Je crois qu'on les a tous eus. Ça va? Je crois aussi. Ouais. Je crois bien. Tant mieux. Parce qu'on doit foutre le camp d'ici. Oh, t'es sérieux? On doit foutre le camp? Intéressant à récupérer. Ouais, et puis aussi... Hop. Si je peux trouver des munitions... On va prendre le fusil, tiens, pour changer. Le fusil, longue portée, avec lunettes. Regardez ça, on a la lunette en plus. Ça, c'est bon. Allez, et on n'est pas obligé, regardez, on peut utiliser les lunettes ou pas. Donc c'est sympa, mine de rien. Ok, ok, donc là on est bon. On a récupéré pas mal de munitions. Même si j'en ai plus de fusil à pompe, donc ça m'inquiète. Nous allons visiter un petit peu le bâtiment, en vérifiant quand même s'il n'y a plus d'ennemis. Non, c'est tout cool. Ok. On peut chercher un petit peu partout, voir s'il y a des munitions. Ce jeu est vraiment prenant. Hein. Vous avez remarqué les cinématiques? Les cinématiques dans ce jeu sont exceptionnelles. J'ai vraiment l'impression de vivre un film, en fait. C'est là vraiment que c'est costaud. Niveau des cinématiques, niveau graphisme, c'est un truc de marteau. Alors. Oui, je vois des pièces. Sinon, à part les pièces, pas grand chose. Question qu'on ressorte par là. Ouais. On peut pas ressortir par là-bas. Des panneaux stop. D'accord. On va chercher un endroit où aller. Alors, Ellie me dirige-t-elle bien vers le bon endroit? Je ne pense pas. En tout cas, c'est super beau. Hein. Ok. Alors, on continue. Une petite ruelle. Mais pas grand chose.
Ouais, c'est bien ça, on a des ruelles, mais on sait pas où il faut aller. Il y a forcément une autre issue. Une autre issue. Ouais, alors ici, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose? On pouvait pas y aller, non? Casser quelque chose non plus? Non, du tout. D'accord. Ça, c'est quoi ça? Des bouteilles. Où ça? Passer où? T'es où, Ellie? Je la vois pas. C'est énervant parce qu'elle me dit on pourrait passer ici. Mais où? Ellie. Ah, t'es là? Le garage. Ah, d'accord. Ok. Merci, Ellie. C'est gentil de me dire où il faut aller. Allez, à la gueule de foire. Oui, ça. Allez, allez, dépêche-toi. Bloque, nom de Dieu. Ok, vas-y. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et pourquoi il ne lâche pas d'un coup? J'ai pas compris. Peut-être pour ne pas faire de bruit. Waouh. C'est un peu dégueu. Je dis bien un peu, je suis gentil. Hein. Voilà, voilà. En même temps, c'est monnaie courante dans le jeu. Hein. Qu'est-ce que c'est? Des sous? Fumigène. Ah, d'accord, on l'avait pas vu ça. Un sucre oxydé crée un écran de fumée qui vous cache les ennemis. La violente... oui, la violente détonation produite quand elle... La violente détonation produite... C'est marrant. Quand elle se déclenche, étourdit les ennemis pris dans leur rayon d'explosion. Les ennemis ne peuvent pas voir à travers la fumée. Ils ne tirent pas sur des cibles invisibles. Profitez-en pour vous échapper quand vous êtes dépassé ou pour charger quand les ennemis sont étourdis. D'accord. Ça a l'air bien pratique. Ok, on récupère tout ça. Alors apparemment, je suis plein niveau, niveau truc. Donc on va améliorer l'arme de mêlée. Allez. Hop, voilà. On va faire un sur un. On peut plus. D'accord. Je vais faire un petit cocktail. Je vais faire une petite bombe. Fumigène, on s'en fout. Voilà. Et je vais faire, allez, un petit cocktail. Voilà, comme ça, on est bien. Et je peux prendre la lame. Voilà. Pour ne pas non plus perdre des compétences pour rien. Ah, encore des lames. Voilà. Outil de niveau 2 obtenu. C'est-à-dire que je pourrais avoir une nouvelle amélioration niveau 2. D'accord. Ok, ok. Intéressant aussi. Alors, attends, bah justement. On va prendre tous les outils. Ah, est-ce que ça a une note? Oui, manifeste des intrus. C'est-à-dire. Alors, faire défiler chaussures x4 blousons. D'accord, bon, bah, rien de spécial alors. C'est juste une liste. On dirait une liste de courses. Allez, ouvre-moi ça, les petits casiers. Il n'y a rien. Et là, je parie qu'il y a quelque chose. Voilà. Mine de rien, si on n'y va pas, c'est triste. Alors, est-ce qu'on peut prendre une des nouveaux petits trucs? Alors, niveau compétences. Non, je n'ai que 20 points de compétences. Donc, on n'a rien trouvé. Alors, Ellie. Foutu chasseur. Ça aurait pu être nous. Effectivement. Ah, allez, on y va. Tous ces gens n'ont vraiment pas une chance. C'est vrai. Puis en plus, ils ont été tués 200 fois. Comment? Ça a l'air horrible. Sur quoi? Cad. J'ai déjà été à leur place. Oh. Alors, t'as tué beaucoup d'innocents? Prends-le comme ça t'arrange. Ah là, elle est très curieuse, hein, cette petite Ellie. Hein. C'est ici que ces connards dorment. Enfin, dormaient. Ouais, comme tu dis, dormaient. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, des... Ah, 5 points de compétence. Ça, c'est bien. On a vraiment besoin des points de compétence qui se font assez rares, mine de rien, dans le jeu. Kit médical amélioré. Les kits médicaux sont désormais 33% plus efficaces. Ouais! Ça c'est bon par contre, parce que c'est vrai que ça manquait, il c'était pas très long. Ok, à telle étendait la telle, d'accord. Il va falloir voir comment on gère ça. D'accord, bon on verra bien, écoutez. Alors par contre, est-ce que j'ai récupéré munitions de fusil à pompe? Je ne crois pas. Non, toujours pas. Ok, donc on va rester avec le fusil. Il faudra vraiment trouver des munitions de fusil à pompe, ce serait sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une porte. Waouh. Alors attendez, avant d'aller dehors, retourne dedans. On va voir ce qu'il y avait là-bas. Peu importe, ne restons pas là. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que j'allais presque oublier cette salle là. Allez, on a des flèches. Ah, je suis plein au niveau des flèches. D'accord. Un petit atelier. Alors on est parti, on va améliorer les armes maintenant. Alors je suis niveau 2, alors on peut toujours pas prendre ça, j'ai pas assez de matériaux. Niveau du magnum, d'accord, donc on va améliorer le fusil à pompe, parce que c'est une arme que je me sers énormément. On va améliorer le recul. Ouais, on va améliorer le recul, allez hop, soyons fous. Ah non, on avait déjà amélioré le recul. Donc ça sert pas à grand chose, portée. D'accord, je suis à chargeur, cadence de tir, capacité du chargeur. Ouais, je vais améliorer ça. En plus on a 4 niveaux pour cette compétence. D'accord, d'accord, donc là c'est bon, on a encore 2 niveaux. Tu te fous de moi? Je comprends plus là. Cadence de tir, bah écoutez, on va mettre la cadence de tir. Hop, ok. Donc là on est bon. Ah, niveau 2, c'est-à-dire qu'on peut prendre les compétences de niveau 2. Ok, et niveau 3, on pourra qu'on sera niveau 3. Ça y est, je viens de comprendre. C'est dur. Ok, donc ça on l'a déjà pas mal amélioré. Par contre, j'ai amélioré les autres armes. On sait jamais parce que des fois on a besoin de ces armes là et on les utilise que très rarement. Mais quand on a besoin, écoutez, on en a besoin. Allez, on va améliorer ça aussi. Boum. Et je devrais améliorer aussi les étuis à armes. Pour avoir 2 armes. Donc ça, je le ferai pour la prochaine fois, je pense. Ok, ok. Quand j'aurai plus de matériaux. Ok. Donc là, c'est bon. On peut y aller. Hop, on passe la porte. Il fait jour d'un coup. Jour, nuit. Jour, nuit. Nuit et jour. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. C'est juste que ça bouge. Ok, on y va, Ellie. Dépêche-toi, on monte. Donc, un peu moins d'action que dans l'épisode précédent. Enfin, quoique, c'est déjà pas mal. Voilà le pont, c'est notre sortie. Ellie, ralentis, attends-moi. Quoi? Je suis là. Laisse-moi passer devant, tu veux? Et puis parle moins fort. Ok. Elle est toujours pressée, cette gamine. Ça en devient énervant. D'accord. Faire pas trop de bruit et c'est moi qui cours. Alors, s'il dit de pas faire trop de bruit, c'est qu'il doit y avoir du monde pas loin. Allez. Alors on va voir. Pour l'instant, il n'y a personne. Ah, on récupère une bombe. Point de compétence. Ok. Là, il y a des objets. Ok. Bon, pour l'instant. Elle retente de siffler. Et elle a réussi à siffler en plus. Ah! Qu'est-ce que c'est? Choc terminal. Alors, lire. Savage Starlight, choc terminal. D'accord, alors, on peut pas le lire apparemment. Ok! Ok, ok. Donc là on a rien. On ressort du bus. C'est bloqué par la droite. Oh là là, mais ce jeu est super beau quoi. Level design. Artistique. Non, je miserais plutôt sur l'armée. L'armée? Pour ne pas avoir à les recueillir. Et les morts ne risquent pas d'être affectés. C'est pas faux. Honnêtement, c'est pas faux. J'ai entendu un coup de feu. Ellie, baisse-toi. Où est-ce que t'as appris à tirer? Ellie, vite. Il y en avait plein. Et tu les as tous ratés. Toi, je vais pas te rater. Waouh. Arrête, c'est quoi? Bah, si jamais tu veux dire ton histoire, je peux t'aider. Ouais, c'est ça. Alors, ils sont au moins 3 ou 4. On va devoir se les faire. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qui devrait être là? Un travail national. Ça m'étonnerait pas du tout. Oh merde! Oh putain, vous avez vu tout ce monde qu'il y a? Ça va être compliqué. Vas-y, cassez-vous. Cassez-vous, restez pas là. C'est pas le moment. Vous avez plein de choses à faire. Laissez-nous tranquille. Ok, donc là, normalement, on les laisse partir. On va pas y avoir de problème. On prend pas de risque. Hein. Voilà. Là, ils sont partis, normalement. Pas de raison. Lui, il est pas vraiment parti. Bon, je pense qu'on peut y aller. C'est bon, c'est bon. Impeccable. C'est quand même retour à la filtration, un petit peu.
Ils sont là, regardez. Ouais. Ils sont trois. D'accord, bah écoutez, on va pas tenir compte d'eux. On fait quoi? On doit monter là? Je sais pas. Je sais pas du tout. Laissez-les partir. Tranquille. Et nous, on va monter. Allez, viens Ellie. C'est bon, on peut y aller. Ils sont partis. Impeccable. Wouhou! Donc on a réussi à passer. Allez. On y arrivera. Mais oui, on y arrivera. Bien sûr, bien sûr. C'est à ça que ressemble la plupart des zones. Cet endroit est abandonné depuis un bout de temps. C'est pas faux. Ok, ok, apparemment il y a quelque chose là-bas. Hop, passe pas dessus. C'est des outils, je parie. Ouais. Des petites pièces. Ah, un papier. Notre colline perdue. Alors, qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Lire. La plus grande bande de bons à rien ayant jamais porté des armes a réussi à nous prendre Troy Hill. Ces enfoirés sont malins. Ils nous ont volé un mortier. On n'avait aucune chance. Entre ça et le Strip District, ils ont le contrôle de toute la rivière. La retraite n'a pas été facile. On a perdu la moitié de notre escouade. J'espère simplement que Jérémy et Pam sont toujours en vie. Ils sont restés bloqués de l'autre côté de la rivière. D'accord. Bon, bon, bon. C'est très bien. Ah, apparemment, on peut monter à l'échelle, non? À mon avis, on peut pas y passer. Et ça, c'est mon avis. Warning. Donc, à mon avis, il faut éviter d'y rentrer, quand même. Hein. Je pourrais faire le couillon, là. Allez, on y va. Et on est où, là, effectivement? Incident Security Force. Admission. Fedra. D'accord. Bon. Eh ben, on y va. Zone de haute sécurité. Attention. You'll die before we solve. Bon, je ne suis pas bon en anglais. Mais bon. Allez. On y va. Des chasseurs. Alors là, on va devoir passer les amis en mode infiltration. Alors l'avantage, c'est que ce n'est pas des désinfectés, donc ça fait un peu moins flipper. Hein. Ça, faut l'avouer. Mais bon, faut quand même faire attention. Ok. On reste tranquille. À mon avis, ils sont que trois, on pourrait y aller à la bourre, hein, mais bon, je suis pas vraiment comme ça. Alors attendez, on a une bouteille. Et si on les attirait là-bas? Allez-y, allez tous là-bas. Et trois. D'accord. Ah non! Mais pourquoi il vient là? Tu te fous de moi? Ok, j'ai envie de les attaquer. Allez, j'ai envie. J'avais trop envie, les amis, je suis désolé. C'était trop l'envie. Voilà. Oh, ça fait du bien avec le fusil en plus. Oh my god. Wouhou. Oh, ils sont où? J'ai pas vu. Ah, bonjour. Pardon. Voilà. Un petit peu d'action. Oh, il y avait une alarme. J'avais pas. C'est con ça. Pourquoi je tire moi? Je savais pas qu'il y avait une alarme. Ok. Oh putain, ah, mais Molotov carrément. Oula. Ok, carrément Molotov le gars. Alors attendez, je vais te balancer une brique. Boum. Voilà. Boum, t'es mort. Par contre j'ai cassé l'objet. Wow. Allez hop, je te déglingue, casse-toi. C'était pas une bonne idée, fallait bien y aller en discrétion. C'est pas grave, on va s'en sortir comme ça les amis. On va s'en sortir comme ça. Faut juste que je vois où il est. Il me semble qu'il en reste un. Non, ouais. Voilà, je préfère. Donc là c'est bon. On se calme, on va reprendre la batte ici. Ouais. J'avais envie d'y aller à la bourrin en fait. J'avais pas envie d'y aller tout le temps. En mode discret. C'est chiant. Voilà. J'aime bien faire un petit peu des deux. Et là, bon, quand c'est contre des humains, c'est pas trop chiant. Salut! Boum! Merci. Ok. Donc là, on y allait assez à la bourrin.
Alors on a une batte. Ah, on va la prendre. Elle a plus de durée de vie, celle-là. Ok, donc est-ce qu'on peut voir les ennemis maintenant? Ils sont où? Ah, il y en a un qui arrive, attention. Ok. Pardon. Et moi j'ai mon fusil longue distance. Allez. Ah, oh, dommage. J'aurais dû frapper le premier. Bordel. Tu t'es chopé le mur, Coco. Ok, apparemment je peux plus les repérer. Si, il y en a plus qu'un. Il arrive. Ah, vas-y, je vais te prendre par surprise. Viens là. Coco. Coco. Et pourquoi tu pars? Attendez, je vais aller le chercher, moi. Je vais aller le chercher, hein. On est obligé de tout faire ici. Il est là-bas, je crois. Il est là-bas. Ici. Ah ! Pardon ? Tu croyais que je t'avais pas vu ? Voilà ! Crève ! Allez, toi aussi ! En mode bourrin. Ah, il y a des petits combats, il y a une petite variante aussi. Attraper. Une petite variante aussi, il n'y a pas que des touches carrées. Ok, alors là par contre, on va se soigner un coup, hein, les amis, je vous propose. Parce que là, on est mal en point. Hop, voilà. Impeccable. Bon, alors là, je la joue carrément bourrin. Alors, autant des fois, je la joue discrétion. En fait, il y a du monde partout, j'ai l'impression. Ils sont bien planqués. Allez. Par contre, ce qu'il y a de bien, ça permet de reprendre... J'ai vu quelque chose. Wow. Tu croyais que je t'avais pas vu? Putain, mais ils peuvent eux aussi nous prendre comme ça? Je croyais que c'était que nous. D'accord. Allez. En fait, il y a du monde partout. Ah, attendez, munitions là. Voilà, je récupère des munitions parce que je suis un petit peu à court des fois. Ok, mais il y a des objets de partout, c'est dingue. Si vous voulez tout visiter, c'est chaud. Hein. Honnêtement. Ah, des lames. Ok. On va monter, on va voir ce qu'il y a en haut. Écoutez, visitons un petit peu cette... Oh putain. Oh là là. Là, on va éviter peut-être, non? Je sais pas, vous en pensez quoi? Oh, on peut y aller peut-être. Oh merde, je me suis gouré. Wow. J'ai pas vu lui. Je l'avais pas vu celui-là. Ah putain, c'est pas vrai. Non, aïe aïe. Merde, oh putain non. Attention, planqué. Vite, soigne-toi vite. Ellie, aide-moi, tu peux pas avoir un flingue, moi, des fois. Tu me serais plus utile. Et d'où il me tire dessus? Allez. Allez. Boum. Et bim. Ah, il est derrière. Voilà. C'était bien trop juste. Ah oui, là, c'était juste. Excuse-moi. Ça va être Starlight. Tu sais, la BD que je lis, le héros dit ça après une grosse bataille. La survie à tout prix. Ouais. La survie à tout prix. Franchement, c'est jeune, hein, je vous dis. Ah là là. Ah, j'ai eu du mal quand même, hein, je vous avouerai, là. J'ai eu du mal, surtout que j'use carrément toutes mes munitions. En plus, il n'y a pas grand-chose, hein, pas beaucoup de munitions dans ce niveau-là. Vachement faire gaffe, je trouve que je m'y prends pas très bien. Bon, en même temps, je vous avouerai que j'aime bien y aller un petit peu en mode bourrin. Ça fait plaisir des fois. Ok, donc à mon avis, il fallait prendre par là, il y avait exit. Alors, comme ça, t'aimes lire, hein. D'accord. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'avantage, c'est que je sais toujours pas où il faut que j'aille, en fait. C'est ça qui est marrant. D'accord, attendez, on venait d'où? On est de là-bas. En fait, il fallait juste traverser le camp et venir jusque-là, non? Je sais pas.
Par contre, attendez, j'ai plus de munitions. Ah, voilà, bah quand j'en parle, quand je parle du loup. Par contre, attendez, on va reprendre le fusil à pompe. Par contre, voilà, merci monsieur. Oh, une voiture! Une voiture! Ah, il y a des trucs de partout. On va rien louper, les amis, je vous assure qu'on va rien louper. Ou presque rien. Forcément, je vais louper des trucs. Ça, c'est obligatoire. On peut pas tout vraiment trouver. Parce que sinon, je passerai des heures dans ce let's play. Mais en perdre un minimum, ce serait déjà bien. Ok. Donc, il n'y a pas grand-chose, là. Donc, on a tué tous les mecs, j'ai l'impression. Encore heureux. Donc, on venait de là. Voilà. Là, il y avait des trucs. On a été passé par derrière. J'essaie de me remettre un petit peu, parce que... c'est pas évident. Alors, essayons d'aller voir là-bas. Une bouteille. Ah, on n'est pas venu là, je crois. Attendez, on n'y est pas venu, là. Non. Je ne me rappelle pas. Donc... des casiers, il n'y a rien dedans bien entendu, ça c'était sûr, d'accord, par contre là, des bouteilles, ah, des objets partout, voilà, objets, c'est bien ça, ah, je pense que j'ai trouvé, ça doit être là qu'il faut monter, à mon avis, ou pas, hein. Ça se trouve, il y a multiples chemins pour arriver jusqu'en haut, ou alors pour arriver où il faut aller, ah oui, attendez, d'accord, et on arrive au même endroit. Bon, c'est pas mal ça. De toute façon, c'était forcément là qu'il fallait venir. C'est obligé. Mais alors, et qu'est-ce qu'on fait là? Ah, de la santé. Ça m'arrange bien aussi. Des fauteuils partout. Ah, on fouille, il y a des objets. Ouais. Et alors? Faut faire quoi? Je sais pas, mais... parce que là, on était en bas, ouais. D'accord, je sais toujours pas ce qu'il faut faire. Ellie, aide-moi! Alors, j'étais monté par là, alors. Ouais, j'étais monté par là. Forcément. En fait, pourquoi j'étais monté pour tuer les mecs s'il y avait rien de spécial? C'est ridicule. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est ridicule. Mais écoutez, on va ressortir. C'est forcément par là. Forcément, forcément par là. Voilà, voilà. Donc là, est-ce qu'on peut passer par la porte? On ne peut jamais passer par la porte dans ce jeu. Il y a des barbelés. Donc attendez, est-ce qu'on peut simplement... il y a une échelle de l'autre côté, mais alors... ah, je parais que ça va être fermé. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y aurait pas une caisse ou quelque chose de monter dessus, non? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas du tout où il faut aller. Peut-être monter sur le toit, là. Attendez. Non, pas du tout. Eh, pas du tout, ouais. D'accord. C'est pas ça. Bon. On va essayer de trouver, écoutez. On est là pour chercher, quoi. Donc, honnêtement, ça doit pas être là. Non, c'est les poubelles. Je pense pas, ça m'étonnerait fort. Alors, on va chercher un petit peu ici. Ça m'étonnerait que je trouve quelque chose. Je sais pas. Là, c'est d'où je viens, d'en haut. J'ai rien trouvé. Ça se trouve, j'ai cherché pendant 50 ans. Sans rien trouver. C'est marrant. Quoi. Attendez, on est bien au milieu, là. Je suis presque jamais venu au milieu, hein, mine de rien. Pendant les combats. Astuce. Quoi? Sortez à l'arrière de la librairie par issue de secours. Bah ben voilà. Et ben, au bout d'un moment qu'on est perdu, le jeu, justement, nous dit, tiens, il faut que t'ailles là. Donc ça, c'est plutôt bien, je trouve. On est pas trop dirigé parce qu'il ne nous le dit pas. Mais c'est quand vraiment on est bloqué pendant trop longtemps, le jeu nous dit où il faut aller. D'accord. Donc ça, c'est bien. Ok. Ouais, alors on peut pas aller là. Pourquoi? Parce que c'est bloqué. Ah, par contre, c'est quoi? C'est un ascenseur, ça? Un ascenseur dans The Last of Us. Attention. Ouais, ouais. C'est bien tout ça, mais... non, là, c'est d'où je venais, non? Attendez, c'est bien d'où je venais, ça? Je crois. Il me semble. D'accord. Quitter la librairie par l'arrière. Bah, attendez, mais... il me disait bien de venir là, le coco. Eh ouais, ouais, mais je suis sûr, là, de ce que je dis. Alors, c'est où qu'il faut aller? Je suis pas mais... voilà, donc c'était là, normalement. Mais là, on peut rien faire, vu que le fil... on peut pas prendre le fil. On peut pas ouvrir, on peut pas sortir. L'ascenseur marche pas, bien sûr. Ça, c'est... je vais vérifier quand même, parce qu'on sait jamais. Hein?
Non, c'est bon. On peut pas. Je me disais aussi. Attendez, parce qu'on me disait, allez par là. Exit. Donc oui, exit forcément. Exit. Exit la bonne humeur. Vous ne trouvez plus la sortie. Oh, c'est bizarre ça. C'est franchement bizarre. Ah, c'est plein. Que je trouve pas où c'est qu'il faut sortir. C'est que c'est bizarre. Là-bas, on a l'escalier. Ah, attendez, c'est pas là? Bah non, c'est pas possible. Attends, on est où là? C'est tellement vaste ce truc. Je sais plus où je suis. Ah, mais d'accord, c'est l'entrée. Oh là là, les amis. Ah, on est complètement paumé. Mais là, vraiment. Vraiment paumé, paumé, de chez paumé. Alors, l'arrière de la librairie, donc. C'est là. Voilà, exit là-bas. Je suis désolé. Exit. Exit. Mais là, on peut pas. Là, on n'a rien du tout. Ok. C'est sûr que c'est pas ça. C'est pas là. Ouh, ça commence à me courir sous le haricot. On n'a pas une carte ou un truc là? Je crois pas qu'on a une carte. Non. Ah, par contre, attendez, je peux améliorer les compétences tout le bordel. Arme de mêlée, non. Faire un autre sur un nom. Ah, par contre, je vais refaire les trousses de secours. Du coup, j'y suis allé vraiment à la bourrin. Explosif, fumigène. Explosif. J'aurais pu faire des fumigènes. Tiens, pour les ennemis, là. Ça aurait été pratique. Mine de rien. Ouais. D'accord. Bah, c'est forcément là. Il y a quelque chose en haut. Écoutez, c'est obligé. Il ne serait pas. On serait pas allé en haut s'il n'y avait rien. J'y crois pas une seconde. Alors, pas du tout. Ah, attendez, c'est quoi ça? C'est l'objectif? Tu te fous de moi? Ah mais tu nous indiquais l'objectif en plus? Attendez. Exit. D'accord. En plus, ça nous indiquait l'objectif. Bah, je l'avais pas vu. C'est vachement discret. Ok. Et ben bah, là, je pense qu'on a trouvé. Wouhou! Ok. Alors. Édité là? Ouais, elle est là, c'est bon. Ok, donc j'ai trouvé l'objectif normalement. Sont désespérés, les gens sont capables du pire. Comme du meilleur. C'est bien possible. Allons Effectivement. voir où ça mène. Ouais, allons voir. Eh ben, ça mène nulle part. Moi, je te le dis. Ah, peut-être par là. Sur la voiture. Fais attention en sautant. Fais attention de ne pas te faire mal, de ne pas te casser quelque chose. Voilà, donc mine de rien, on a trouvé le chemin. Le chemin. Ok. Oula, je sens que ça va être joli ici. Baisse-toi. Il y en a d'autres. Prenne-toi. Allez, fiche son camp. C'est bon. Je crois pas qu'il nous ait vus. Voilà le pont. On est un peu plus près. Enfin, je crois. Il faut continuer. Allez. En tout cas, c'est super beau. Prochain film cinéma, Savage Starlight. Bref. Voilà, bah écoutez, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode numéro 6 du Let's Play. Numéro 6, numéro 7, non, numéro 7 du Let's Play sur ce The Last of Us. En tout cas, c'est bien gluant. Hein. En tout cas, les amis, portez-vous bien et on se retrouve pour la suite très très bientôt. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine. Salut tout le monde!